Ce que vous venez de voir, c'est un teaser. Ce teaser pour but de communiquer autour de notre futur projet. Ce projet consiste en une mini-série documentaire animalière qui aura pour but de casser les codes en s'éloignant des formats de diffusion traditionnels pour les documentaires, rendre cela le plus accessible possible. La série sera composée de petits épisodes très courts tout en vous en mettant plein les yeux avec de belles images. Le but sera vous informer sur la biodiversité environnante, comment elle fonctionne et comment la préserver au possible. Je vous en dis pas plus en voix off, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Eh bien salut tout le monde, c'est Des Productions. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va être un peu spéciale sur ma chaîne. J'ai pas l'habitude de vous proposer ce genre de contenu, mais je vais vous expliquer pourquoi. En ce moment, j'ai pas beaucoup de vidéos qui sortent sur ma chaîne YouTube, et ça s'explique parce que j'ai énormément de projets personnels qui se font à côté et qui prennent de mon temps, donc j'ai moins de temps pour faire des vidéos sur ma chaîne YouTube. Parmi ces projets, un grand projet, très grand projet j'ai envie de dire, un projet très ambitieux. Avec un ami à moi et ancien collègue, on a décidé de se lancer tous les deux dans l'aventure qui est l'animalier, plus particulièrement la vidéo animalière. Lui comme moi, nous sommes passionnés de vidéos, de technologie, de nature et surtout de belles images. C'est pourquoi on s'est dit que faire de la vidéo animalière, ça cochait presque toutes les cases de ce qu'on aime faire. Il s'agit cependant d'un domaine qui est délicat, exigeant, rigoureux et aussi très coûteux. Au quotidien, nous utilisons pour nos projets des boîtiers Fujifilm, lui un XS10, moi un X-T4 et un XH2S qui filme aujourd'hui ici. J'ai décidé pour ma part de partir sur le Fujifilm car leur boîtier était à des prix attractifs. C'est un capteur APS-C, donc on a le meilleur des deux mondes entre le crop factor et la montée en ISO sur le capteur. À tout ça s'ajoute la possibilité de faire des ralentis x10 qui pour de l'animalier très bon pour figer les mouvements des sujets en pleine action. Et bien évidemment aussi la Color Science de chez Fujifilm qui est à mon sens excellente. Quand on a commencé à acheter notre matériel, on n'avait pas du tout en tête de faire de l'animalier, mais plus des projets un peu plus centrés autour de la fiction, du court-métrage et de la publicité. Malheureusement, le parc optique de chez Fujifilm est relativement pauvre si on les compare avec Sony, Canon ou encore Nikon. On a très peu de choix d'optique si on veut se diriger vers des téléobjectifs faits, enfin en tout cas adaptés pour faire de l'animalier. Récemment, on a fait l'acquisition d'un 70-300 qui était pas trop mal en termes de focale et de rapport focal-prix. C'est un très bon objectif qui fonctionne correctement, mais à 300 mm, on est souvent très très court pour certains sujets. Alors les propositions qui s'offrent à nous, c'est peut-être d'utiliser des objectifs qui sont vendus par des marques tierces, car récemment, Fujifilm a ouvert aux marques tierces la possibilité de fabriquer des objectifs en monture Fuji X. Le problème avec les objectifs de marques tierces, c'est qu'ils ne sont pas future-proof. Je vais m'expliquer par le fait que lorsque je vais prendre, admettons, le 150-500 de chez Tamron, je n'aurai pas la possibilité d'y mettre un téléconvertisseur pour encore augmenter la focale si besoin est dans le futur. Donc seules les focales de chez Fujifilm nous permettent d'utiliser un téléconvertisseur. L'intérêt d'avoir des focales aussi grandes, c'est de pouvoir shooter des animaux qui sont soit relativement petits, soit relativement craintifs de l'homme et qui sont à une distance trop éloignée pour pouvoir faire des plans comme on le souhaiterait, tout en respectant leur intimité et leur espace vital. Les possibilités qui s'offrent à nous seraient soit un 100-400, soit un 150-500, soit un 150-600. L'idéal serait d'avoir les objectifs de chez Fujifilm, qui sont eux future-proof. Donc si jamais on se retrouve encore une fois à court de distance focale, on pourrait rajouter des téléconvertisseurs, ce qui n'est pas le cas sur les marques tierces. En termes de prix, on se retrouverait avec un minimum à 1 450 € à peu près pour le Tamron, à 2 100 € pour le 150-600 de chez Fujifilm, et entre les deux se mettrait le 100-400 de chez Fujifilm qui est aux alentours de 1 700 €. Nous sommes deux à travailler dans ce projet, investir dans deux focales, ça nous reviendrait entre près 3 000 et 4 200 € à investir d'un seul coup. À cela s'ajoutent tous les autres équipements utiles pour faire de l'animalier, donc des tentes d'affût, des tenues de camouflage, des trépieds adaptés, des espaces de stockage supplémentaires. Il y a plein d'autres choses du coup qui viennent s'ajouter à la facture et ça vient vite compliquer le déroulement du projet. L'absence de matériel adapté signifie que nous on se lance tout juste dans le domaine. Donc on n'est pas des pros de l'animalier, on est des pros de la vidéo puisqu'on vient d'une société de production audiovisuelle. Mais on n'est pas du tout orienté animalier. On s'est lancé dedans et on se forme en continu pour pouvoir shooter les plus belles images possibles tout en ayant le respect maximum pour la biodiversité environnante. Nous sommes aux prémices de ce projet, nous ne savons pas
quand exactement cela va sortir, nous ne pouvons pas vous dire avec exactitude ce que vous y retrouverez dedans, mais on y travaille sérieusement tous les jours et notre but serait de pouvoir le sortir d'ici un an à peu près. Le but de ce projet est de proposer des vidéos instructives et informatives sur la biodiversité. Dans ce projet, on va parler des interactions interespèces, leur rôle dans l'écosystème, la biodiversité, ainsi que faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe de pas de chez eux. Ainsi, si vous êtes une marque, une société, et que c'est un projet qui vous intéresse, que vous voulez soutenir, vous pouvez. Que ce soit avec des prêts de matériel, du financement, ou même des conseils avisés si vous êtes un professionnel de l'Allemagne qui passe par là, on est preneur. Si jamais c'est le cas, je vous laisse en description un mail où vous pouvez me contacter. Pour tous les autres, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À bientôt et bon visionnage.